le contexte de l'activité, c'est restituer le débat au barreau. C'est de faire en sorte que à travers le pays, nous avons des lieux de débat et de contradiction. Parce que ça a observé, ou observé qu'il y a des interventions qui sont faites à travers la presse, ou que les questions sont dans la rue qui ont débattu. Alors que c'est des questions qui sont hautement importantes, c'est des questions qui ont un fond théorique assez conséquent derrière eux. Donc nous-mêmes, lorsque nous invitons des avocats, nous invitons le grand public à participer, ça permet que tout le monde dans la société nous prenne connaissance de théorie et ça permet que notre culture démocratique nous apprenne que les des sujets, ce n'est pas bataille pour notre bataille. Mais c'est plutôt au moins de l'argumentation avec l'homme de la dialectique pour que nous résoudions les questions. Thème, il y a toujours un thème d'actualité. Pour moi, ça, nous avons deux sujets d'actualité. Il y a une question incendie qui est passé à Inchelon. C'est une question là-dedans, nous avons questionné la responsabilité de l'État. Mais pendant que nous avons préparé le procès, brusquement, il y a un sujet d'interdiction de départ qui vient. Donc, nous estimons que le sujet, ça, vu l'intervention qu'a faite à travers la presse, nous avons dit que pour le prochain procès, pour le deuxième procès à Céline, nous mettons en évidence. Maintenant, pour le mois de juin, qui sujet que nous avons gagné, nous reconnaissons, ça dépend de l'actualité, c'est le sujet qui vraiment qui a fait actualité dans le moment, c'est lui que nous mettons en débat.